aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le 17 décembre, donc les vlogs sont vraiment très décalés, hein. Il y a 2 jours de décalage parce que j'avais pas réussi à mettre ma wishlist en premier. Donc il fallait absolument que je la mette en premier parce que dans les vlogs j'avais parlé de la wishlist qui était déjà en ligne. Donc je pouvais pas mettre le vlog et après la wishlist en fait. Donc j'ai mis la wishlist et les vlogs sont en décalé en 2 jours. Donc j'essaye de faire des vlogs toute la journée, etc. Il n'y a pas de problème. Là il est 22h21. Donc en fait ma mère m'a embarquée toute la journée à partir de 10h du matin, je me suis réveillée à 9h, je suis allée prendre ma douche vite fait en speed et puis après on est parti faire les magasins, les cadeaux de Noël pour tout le monde. Et bah en fait j'ai encore fait des emplettes hein, pour la déco encore une fois, donc je vais vous montrer ça. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir de filmer à 22h21, parce que j'ai sorti des minutes carrément. À 22h22, tiens, quelqu'un pense à moi. 22h22, je sais pas si vous voyez. On est parti en ville, dans le centre-ville de Tours. On a fait plusieurs magasins. Ensuite, on est parti aussi vers Tours Nord. On a fait plusieurs magasins pareil. Je vais pas trop en parler parce qu'il y a des gens qui vont comprendre. Enfin, des gens de ma famille qui vont comprendre si on dit les magasins. Hein. Donc, je les dis pas. Après, on est parti à la Petite Madeleine à Tours. Encore une fois, je suis repartie aussi à Leroy Merlin. Donc à Leroy Merlin, j'ai eu trop de chance. Je voulais trouver des carreaux de ciment, en fait. Mais des carreaux de ciment, je vais pas les changer puisque l'appartement est vendu. Date pour la signature chez le notaire, c'est pas après le 8 mars. Donc le 8 mars, on n'est plus dans cet appartement-là. Donc on va sûrement retourner chez les parents quelques temps. Et après, on partira dans une destination. Donc ça je vous le dirai plus tard. Je suis allée chez Leroy Merlin parce que je voulais trouver des carreaux de ciment pour faire un tapis de souris pour mon ordinateur. Donc je suis allée à la Fnac, déjà je me suis acheté une souris pour faire les montages, ça va être un peu plus simple pour moi. Ensuite j'ai trouvé les carreaux de ciment, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Donc en fait j'ai réussi à avoir ça, j'ai réussi à avoir 2 carreaux de ciment, à avoir 2 carreaux comme ceci parce que un pack était ouvert. Sinon c'était, fallait acheter le mètre carré à 15 euros et il y en avait 35 dedans, j'avais pas forcément envie de 35 donc j'ai pris mes 2 préférés. J'ai demandé si je pouvais en avoir à l'unité, elle me dit oui vu que le paquet est ouvert, normalement on fait pas mais là vu que le paquet a été ouvert, on vous le fait. J'ai payé les 2,90 €. Donc il y a l'autre qui est comme ça, je le trouve trop beau aussi. Voilà. Je le trouve magnifique. Et ensuite j'ai celui-là que je prends comme tapis de souris. Voilà. Donc ma mère m'a donné les petits tampons comme ça pour éviter que ça raye mon bureau. Hop. Et comme ça, ça se pose et ça ne bouge plus. Donc je suis super contente d'avoir trouvé ça. La souris va très bien dessus. Ensuite, j'ai mis le bureau ici, de ce côté-là en fait. À côté de mon meuble télé. Avant, il n'y avait rien. Il n'y avait que le lit de Zozo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai mis mon bureau ici, à côté de la lumière. Comme ça, je suis super bien ici. Donc je vais vous montrer mon bureau avec la déco que j'ai pris parce que je crois que je vous ai pas montré tout hier. J'ai mis ça, je vous l'avais montré, mon petit buisson. Ensuite il y a mon cadre Virginia Klein avec, que j'ai eu par Octoly, des petits rondins de bois que j'ai acheté chez Action tout à l'heure. Ensuite il y a mon carreau de ciment. Je suis retournée chez Audio et je me suis pris ça, donc il faut que j'imprime une petite affiche. Voilà, ma petite plante de chez Maison du Monde. Hop, toujours mes rondins de bois. Ensuite j'ai mis ça, je vais pouvoir mettre mes papiers dedans, etc. Et je le trouve particulièrement que ça fait un petit peu classe sur le bureau pour mettre mes papiers à l'intérieur ou autre, si j'ai envie de mettre un ciseau, des petits stylos, voilà. Donc en gros ça fait ça. Voilà. Chez Audio, ça je l'ai trouvé à 3,50 €, donc je trouve que c'est un petit peu excessif, mais j'en ai pas trouvé dans d'autres magasins, donc j'ai préféré le prendre. Il y en avait des plus grands, moi j'ai préféré prendre un petit comme ça pour l'instant. Voilà, donc je sais pas si le vlog est très intéressant pour vous parce que là je vais pas bouger puisqu'il est 22h27. D'après vos commentaires, vous êtes hyper contente que je fasse des vlogmas, enfin 2 ou 3 personnes. Et moi ça me plaît aussi de faire des vlogmas tout le temps. Peut-être que demain je ne filmerai pas parce que nous sommes dimanche et que Mathieu sera sûrement là. Et moi j'arrive pas à filmer quand il est là. J'arrive pas à parler devant ma caméra. J'ai déjà qui, je pense qu'il ne comprend pas trop. La folie de YouTube en fait, je comprends pas pourquoi prendre autant de temps
là-dessus, autant de temps sur les montages, autant de temps à rechercher des choses. C'est vrai que moi, je mets énormément de temps pour les montages, pour faire ma miniature, pour faire ma bannière, pour faire tout en fait, pour être enfin, pour être vraiment actif sur les réseaux, parce que quand une vidéo sort, faut les sortir partout, parce que moi, si je les sors pas partout, il y a zéro vue dessus. C'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai un petit peu de vue. D'ailleurs, YouTube, je m'adresse à toi. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait un algorithme, sachant que nous, des fois, déjà, on galère, les petits youtubeurs ou les moyens, on galère, on achète quand même on achète quand même du matériel, on achète des MacBooks, on achète des Canon G7X, on achète des Canon Reflex, on achète tout pour faire des vidéos bien. Et en fait, tu mets en valeur ceux qui sont déjà en valeur. Donc ça, je comprends pas et ça me répugne de la part de YouTube. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Et vous voyez pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo de Amy BTY. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais elle dit que depuis qu'elle fait des vlogmas, elle perd des abonnés à chaque jour. Donc moi, j'ai mis une vidéo avant-hier, une vidéo hier. J'ai perdu 10 abonnés. Alors que normalement, quand tu es actif sur ta chaîne, tu gagnes des abonnés. Donc j'avais 2960 et là 2950. Voilà. Donc ça démotive un petit peu. Enfin, ça me démotive pas du tout parce que j'adore ça en fait. J'adore ça, c'est une passion. J'adore être des heures et des heures sur mon montage. Avant-hier, la nuit, j'y suis restée jusqu'à 4h du matin. J'étais dans le salon à regarder comment faire les montages. J'ai réussi à trouver une chaîne qui parlait que de ça. Enfin, j'ai fait que de regarder des vidéos. Et je suis passionnée. J'adore ça. J'adore. J'adore faire des montages, j'adore faire des miniatures, j'adore apprendre, j'adore créer. Et pourquoi YouTube, tu nous mets en difficulté comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas du tout si la vidéo va être vue ou pas. Et je ne sais, je ne pense pas, on verra. Hein, mais YouTube, merci, hein, j'ai envie de te dire merci de faire de la merde comme ça. On se demande si on peut continuer ou s'il n'y a vraiment plus de place sur YouTube. Moi, je pense qu'il n'y en a plus. Après, moi, je fais ça par passion. Mais bon, quand tu mets des vidéos, que tu as passé 4 heures pendant la nuit à faire ton montage, à faire ta miniature, tu as des abonnés qui se désabonnent, tu as juste envie de te pendre, quoi. Enfin, moi, je vais continuer, il n'y a aucun problème. Que les abonnés descendent, c'est pas grave, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui regardent et qui restent actifs. Mais bon. Parce que pour eux, c'est les vidéos qui sont vues, qui sont les mieux pour eux. Hein. Nous, ils s'en foutent carrément. Je vais sûrement vous laisser ici, les filles, parce qu'il est déjà tard, que je vais devoir faire le montage du vlog pour demain. Et celui-là aussi. Et voilà. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu, même si j'ai été un petit peu méchante avec YouTube. Voilà. On verra bien pour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que j'ai raison, si vous pensez que j'ai tort, ou vous réfléchissez par rapport à ça, par rapport aux algorithmes, etc. N'hésitez pas à me suivre toujours sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. En attendant une autre vidéo de moi, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager si elle vous a plu aussi. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes crapules!